Baby, can you see I'm cooling? A guy like you should wear a warning. You dance around, I'm fooling. There is no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me hit. You dance around, I'm loving. But you dance so high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Oh, j'adore. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the run. What the? You're toxic, I'm sipping in the. With the taste of your blood, it's a paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're sexy? Ouais, don't know what to do, don't you know that you're sexy? Ouais, c'est fort. Stop your lips, sound the room. You're toxic, sipping in there with the taste of your poison paradise. I'm addicted to you, that you know that now. Toxic. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Spleen. Ça te va bien? Comment vous appelez-vous? Parce que vous êtes plusieurs. On est d'accord qu'il est plusieurs. Ah ouais, ma curiosité a été plus forte que moi. Vous êtes complètement dingue. Mais qui êtes-vous, monsieur? Vous avez plein de voix, plein de possibilités. En fait, on pourrait faire plein de choses. Moi, je suis libre, hein, je suis célibataire. Non, on cherche l'originalité. Sauf lui. Non mais, écoute, moi j'ai super cette originalité hâte de me faire le replay et de te voir le faire parce que, je me suis retenu. T'étais génial à écouter et j'ai pas appuyé parce que je trouvais ça, c'était trop dans plein de directions différentes. Il y a plein de directions différentes, mais je pense que c'est une vraie chance que tu as. Au début, j'avais peur quand même. Parce qu'il y a un côté un peu garou qui n'a pas dormi pendant 10 jours, qui m'a fait super peur. Bah, tu veux dire un côté garou, et quoi. On le sait, et on connaît bien garou qui n'a pas dormi pendant 10 jours. Mais j'adore garou. Mais premièrement, je vais dire que je suis vraiment, mais sincèrement... Sinon, garou... Oh, merde. Non, mais tout à l'heure, tu disais un truc. C'est le moment où tu dois faire ton choix. Non. Et j'aimerais que tu viennes avec moi. Florent, non, non, tu veux non, rajouter non, quelque non, chose. Attends. Est-ce qu'on le... Attends. Coupez-lui son micro. Attends. Je plaisante, Première... Premièrement... Bon, tu peux y aller, tu peux parler. Je peux pas croire qu'il a pas appuyé parce que toi, tu as une voix étrange. Oui. Tu as une voix tellement belle et techniquement tellement forte que ça t'a donné une carrière internationale. Donc, c'est pour ça que je veux pas de compétition, que je voulais que personne le prenne. Ce qui est super intéressant, c'est que quand tu as commencé à chanter, je me suis dit, ah, c'est Tom Waits. Et ensuite, j'ai dit, ah, c'est comme quelque chose que Danny Elfman, le mec qui écrit toute la musique pour Tim Burton, il prendra ta voix dans 2 secondes. Franchement, j'ai accepté à faire The Voice pour trouver et pour travailler avec des voix comme la tienne. Il y a 55 personnes dans ton corps qui sont en train de t'aider à chanter. Tu peux toucher un peu à la pop, tu peux un peu toucher un peu à la musique folk, mais tu vas toujours rester toi. Et ça,
c'est le signe de quelqu'un qui a un potentiel de devenir et de rester un artiste. Et je dois travailler avec toi. Wow. Monsieur, la parole est à Florent Pagny. Ah, bah moi, en fait, j'ai appuyé parce qu'il y avait tellement de voix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une part de transe en vous et des choses qui sortaient comme ça, où tu te dis, il vient d'où, de quelle planète et comment ça sort de cette manière. C'est ça que je n'arrive pas bien à cerner pour l'instant. En même temps, ça fait à peine 5 minutes. En fait, à la base, je suis venu pour dire qu'il y a quelques années, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Mélanie. Et j'avais perdu mon téléphone le lendemain, et donc j'ai jamais pu la rappeler. C'était à Châtelet. Et elle est magnifique, et on dirait Nathalie Portman en mieux. Ah, pas mal. Ah, là, là, là. Bien, bien. Bon, ben voilà, ça c'est une bonne raison d'être dans The Voice. En plus, franchement, si tu viens raisons... avec moi, je t'aide. Je fais tout un truc de médias pour trouver Mélanie. On fait la campagne sur tous les sites français pour trouver Mélanie. On va faire du porte-à-porte. Mais vous, vous avez rien dit, mademoiselle. Comment ça? J'ai rien dit, je vais faire du porte-à-porte avec toi. Je vous vois avec vos yeux, mais vous ne me parlez pas. Je crois vachement au regard. Je voulais dire que votre choix, finalement, on ne peut rien dire et rien raconter parce que je ne sais même pas si vous, vous savez pourquoi vous allez le faire. Pourquoi pas? Bah avec ce qu'il vient de me raconter, il est en train de passer des petites annonces pour retrouver sa fiancée. Excuse-moi, je ne suis pas dans un contexte de voice. Donc... on verra bien ce que vous allez décider, mais vous allez être un élément intéressant à suivre. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été touché par votre regard. En fait, c'est le regard qui m'a le plus touché, vous. Ah. Après, les arguments de M. Mika sont assez incroyables parce qu'il y a une précision d'une rare justesse. Il a sorti peut-être les références que j'aime le plus en musique. Tom Waits, c'est quand même un génie pour moi. Et je vois des yeux qui me... qui me trouble, alors donc du coup... Bon, ça, tu viens chez moi. Je demande l'avis du public. Si vous me choisissez, c'est pas pour ça, hein. Elle s'appelait Mélanie? Oui. Mais je la connais! Elle habite mais à côté de chez moi. Non, je suis sûre que c'est elle. T'aurais dû nous en parler avant, Nathalie Portman. Je suis sûre, j'organise un dîner pour vous. Non, 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 c'est pas vrai. Et donc, du coup, ça va pas être moi qui vais décider, mais ça va être la fille au loin qui m'a donné beaucoup d'énergie avec ses lunettes qui va décider pour moi. Elle est où? Oh, toi? C'est elle qui décide. Levez-vous qu'elle vous voit. Alors les coachs. Mika. Elle a dit Mika aussi. Bravo. I'm very happy. Thank you. Merci. Yeah. Je transmets le message à Mélanie. Merci. Au revoir. Merci.